more heroes than any man on Earth. I know hero. Firemen, policemen, janitors. Those are the real heroes. He is Sergeant Rex. Power Colt. And he's here to save the world. Far Cry 3. Holy shit. Blood Dragon. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 3 du Let's Play de Far Cry 3, Blood Dragon. Alors, on s'avait quitté la dernière fois où on avait fait pas mal de choses. Alors, on a dû carrément détruire des œufs et tout, c'était vraiment plutôt la galère. Alors là, vous allez vous dire, mais où on est? Parce qu'on a, on a pas fait ça dans l'épisode. Il faut savoir que là, on est à quoi? On a 5-10 minutes en plus de mon Let's Play. Alors, en réalité, j'ai pas fait de quête principale, loin de là. En réalité, pour arriver ici, en réalité, il fallait tout simplement aller dans un endroit. Quand j'ai arrêté l'épisode 2, il fallait aller dans un endroit. Et l'endroit, c'était ici. Alors au moins, ça nous évite de faire un trajet énorme. Là, on est directement à la mission. Alors, on va continuer tout de suite. On est dans un temple pour voir ce qui nous attend. Avec un serpent qui va me tomber dessus. Voilà. Mettez sûr. On est dans un temple qui ressemble fortement au temple de Far Cry 3, l'original. On dirait en tout cas. Wow. Nouvelle arme localisée. Alors, il faut savoir que le pack coûte entre 10 et 15 euros, mais à ce qui paraît, franchement, en moins d'une heure, on a terminé notre let's play. Enfin, à ce qui paraît en tout cas, il y a plusieurs rumeurs disant qu'il reste plus qu'une heure de jeu. Enfin, une heure de jeu principal, hein, il faut savoir, parce que moi, quand je fais des let's play, en réalité, c'est des... comment dire, un let's play sur les quêtes principales. Pas les secondaires. Que ce soit dans tous mes let's play, c'est toujours des principales. Pourquoi pas forcément, pour que le let's play ne dure pas 6 heures non plus, quoi. Et à ce qui paraît, le pack a à peu près 8 heures de jeu. Allô, on est déjà tué avant. Attendez, voilà. Où il y a à peu près 8 heures de jeu en comptant les quêtes secondaires. Par contre, au niveau des quêtes principales, il a 3-4 heures, pas plus. Ouais, c'est, on y, si vous voulez vraiment vous fier aux quêtes principales, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment un jeu à faire les quêtes secondaires. Bon, les quêtes secondaires, ce qui part, ont des blocs de belles choses, alors c'est pas si mal de les faire, quoi. On recharge, on va se remettre de la vie. Parce que là, j'en ai besoin. Oh, alors, normalement, logiquement, on a peut-être... Bah, c'est peut-être, ça va peut-être être terminé en réalité, dans cet épisode. Logiquement, ça va peut-être être le dernier épisode de Far Cry. Alors, j'espère que le let's play vous plaira, si c'est bien le dernier. Désolé si vous entendez un petit bruit dérangeant. Enfin, j'espère que le son du jeu va un peu camoufler, mais c'est vrai qu'il y a un petit bruit dérangeant. Enfin, un petit bip qui est assez chiant. Et sérieux, on a trop. Putain, en plus ils m'ont pété mon bras. Et sérieux, bon, j'ai besoin de une vie, ça serait cool. Mon bras! Ouais. Je vous attends, mes potes. Salut. Vas-y, monte. Ah, putain, je peux. Ah ouais, je vois le truc. Mais c'est pas grave, parce que vous avez pu remarquer que... Attendez, à l'heure où je vous parle, mon let's play de Dead Island Riptide est terminé. Alors on a vraiment tout fait sur cette soirée, hein, parce qu'il faut savoir qu'on est samedi. Alors samedi, comme j'ai tendance à passer vraiment la nuit jusqu'à 6h du mat, je profite vraiment de faire tout ce que j'ai besoin. Alors on a terminé le let's play de Dead Island alors que je vous parle.
Comme je vous ai dit, ça se peut que les épisodes vous verrez beaucoup plus tard que celui-ci. On verra tout ça. Mais en tout cas, il est fini. Et normalement, à ce qui paraît, Far Cry est bientôt terminé aussi. Alors, j'aurais fini mes deux let's play en une nuit. C'est assez violent quand même. Mais c'est pas grave si c'est vraiment tout est, si tout est vraiment terminé. Je ferai un let's play sur. De toute façon, je devais le faire. Enfin, je comptais peut-être le faire. Après, tout dépend s'il est bien. Un let's play sur Metro Last Light. Alors, qui m'a l'air vraiment mortel. Hein. Après, tout dépend s'il est bien. Parce que moi, j'aime vraiment bien faire les trucs. Parce que j'aime bien, hein, tout simplement. Je le fais pour le fun. Parce que j'en ai envie. Parce que ça me fait plaisir de le faire. Mais comme j'ai pas pu tester le jeu parce qu'il est pas sorti, je sais pas en réalité s'il est bien. Finalement, j'ai pas envie de trop m'avancer à vous dire qu'il y aura un let's play. Alors que sans savoir, je vais pas l'aimer, quoi. Parce que moi, s'il y a un truc que j'aime pas, je le fais pas. Je le dis déjà. Finalement, tout dépend s'il est bien. Enfin, sérieux, y'en a trop. Tiens. Allez, dépêche. Faut se remettre de la vie. Ah, il refait deux fois d'affilée, super. Il y a une promo sur les Maccabées ou quoi? Allez, c'est parti. Putain, sérieux, c'est abusé ce qu'il y a. Voilà. Ah, j'ai plus de vie. Putain. Ah, je brûle. Sérieux, n'abusez pas. Allez. Ah. Ah, ils m'ont bloqué. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, remets-moi de la vie, bordel. J'en ai besoin, là, sérieux. Voilà, magnifique. Préparons mon bras. Je suis prêt à faire un dévastateur. Tiens, même si ça veut rien dire, on s'en fout. Vas-y, ramène ta gueule. Remettons-nous de la vie pour la prochaine étape. Voilà, c'est parti, on y va. Bonjour la tortue. Pourquoi il y a une tortue, sérieux? Oh, snipe. Ça, ça va être vraiment super! Oh putain, verrou, ça va être chaud ça. Putain, c'était pas l'explosif. C'est pas la merde, hein. Sérieux, ça emmerde pas ce jeu. Oh putain. Allez, recharge, dépêche avant qu'ils arrivent. Oh la pute! Oh la pute, ils font le tour! Tiens! Tiens! Vous avez survécu jusque là! Mais vous tiens! Allez! Dépêche-toi, recharge avant qu'il se ramène! Oh, magnifique! Putain, j'ai raté mon coup comme un con! Oh! Dépêche! Tiens! Non! Tiens! 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 Oh la tort! Oh la tort! Ah ouais! Bon, vous la jouez comme ça, vous! On va me remettre de la vie! T'inquiète pas. Tiens. Eh bien, salut tout le monde, c'est Logan 7118. Ha ha ha.
Vous allez vous dire, mais pourquoi il y a deux présentations comme un boulet? Parce qu'en réalité, j'ai eu un petit souci avec la piste, que ça soit ma vidéo en réalité. Il y a eu un petit problème, un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé, une petite freeze venant de mon PC. J'étais un peu dégoûté, mais bon, vous ne verrez pas ça au montage, sauf ma voix qui va un peu déconner, vu que je vais dire un peu salut tout le monde alors que... Mais bon, c'était fait exprès. Alors, on va voir ce qui nous attend comme arme. Oh putain, une Gatling. Méchant. Sécurisé, quoi? Ah ouais. Dans ta gueule! Putain, c'est mal. Elle a du mal quand même à buter les gens, mais bon. Putain. Oh, je vais y arriver. Ils ont fait ma promesse. Étoile tueuse détectée. Oh putain. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Putain, c'est quoi? Tu es un vrai guerrier. Tu as prouvé que tu étais digne de cette récompense. C'est quoi? Oh là là. Ceci. J'ai hâte de voir ça. À moi le pouvoir. À moi le pouvoir, ouais. Doc, j'ai l'étoile tueuse. C'est l'heure de la sieste pour Sloane. Et j'ai bien l'intention de le border sous 2 mètres de terre. Alors voilà l'étoile tueuse. Je me sens déjà tout bizarre. Inquiétude. Température corporelle élevée détectée. Bordel de merde! Je crame! Votre corps n'est pas habitué à autant d'énergie. On doit apprendre à vos systèmes nerveux et musculaires à canaliser l'étoile tueuse. Spider. C'est plutôt lui qui aurait dû s'en équiper. Si vous ne pouvez pas le faire avec lui, Rex, faites-le pour lui. Ouais, je vais remettre les pendules à l'heure. Pour Spider? Non, pour l'humanité. Non mais là... Ce mec qui s'entraîne là. Ouais, ouais, je m'entraîne pour devenir plus puissant. Putain. Oh, je fais des pompes à l'infini. Je mets encore plus de poids dans mes haltères. Ah, oh, je tombe amoureuse. Arrêtez ça, ça nous montre que son entraînement fait qu'il s'améliore. Regardez. Que ses pompes augmentent, ses haltères augmentent et tout, ses doigts vont plus vite. En réalité, il s'augmente, alors... Rex, vous avez fait beaucoup de chemin, mais quelque chose me dit que vous vous retenez encore. Vous en faites pas, Doc. Ça se reproduira plus. Oh, je t'aime. Aveuglé par votre cyber-amour. La cyber... C'est le mec, je mets mes doigts métalliques. Oh. Ah non. Oh, oui. Oh, oh, oh. Ça fait mal. Oui, oui, oui. Oh oui! Non. Oh oui, continue! Non. Mais lol! Rex, je n'aurais jamais pensé qu'un cybercommando puisse être aussi doux. Je sais. Mes organes, mes os, mon sang sont synthétiques à 85%. Mais vous êtes toujours un homme à 100%. En tout cas, pour le plus important. Oh Rex. C'est vraiment fini? Non. Pas avant la mort de Sloane, Elisabeth. Il a prévu d'envoyer ses requêtes sur chaque continent de la planète. C'est un monstre, Rex. La nouvelle charge contaminera le monde entier.
Les hommes deviendront des sauvages préhistoriques. La société s'effondrera. Ce sera un nouvel âge de pierre. Et ce qui en résultera n'aura plus rien d'humain. Ils s'imaginent faire une faveur à tout le monde. Mais moi aussi, en le tuant le premier. Vous m'avez déjà sauvé, Rex. Maintenant, il est temps de sauver le monde. Ah oui. Tu m'as défoncé, maintenant défonce quelqu'un d'autre. Elisabeth ? Non. Alerte. Nouveaux paramètres activés. Attendez la mise à jour des objectifs. Quoi ? Rex, c'est moi, Elisabeth. Elisabeth. Si vous entendez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Rex, avant de vous rencontrer, je pensais ne jamais pouvoir aimer à nouveau. Je sais que vous ne vous considérez pas comme humain, mais vous avez quelque chose en vous de bien plus précieux que votre hardware militaire à $1 milliard. Bien plus puissante que votre cellule énergétique à hydrogène. Vous avez une âme humaine en vous, partout où vous allez. Et vous avez mon amour. Votre bras ouvre maintenant le bunker de sécurité à l'intérieur du complexe. Allez l'arrêter. Objectif. Pénétrer dans le complexe d'Anko et entrer dans le bunker haute sécurité. Mais Rex, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour la paix dans le monde. Nous allons sauver le monde. Parce qu'hier c'était une nuit formidable. Nous allons le faire pour Elisabeth. On va voir ce qui nous attend maintenant. Maintenant on a un laser. On va voir ce que ça va donner. Rex. Comment on l'utilise à propos ? T'es un mec bien, mon frère. T'es un mec bien. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Il est l'heure de faire du bruit. Putain. Oh ouais, violent. Moi je t'encule, moi je t'encule. Recommandation. Putain, il est violent. Vas-y, on va tester ça. Tant que ça me démange de oui, trop du cul. C'est parti. Ah bah ça sert à rien. Oh là là, il a l'air vraiment violent. Hein. Ah bah c'était bien ça. Oh, il arrive même à péter la porte, quoi. Nickel. Tac, tac. Directive. Tuez tout le monde. Tout le monde. Tuez. T'inquiète pas, je vais tout buter. T'inquiète pas. Y'a pas de souci avec ça. Ta-ta-na-na. Craignez ma terreur! Sérieux, je dois me remettre de la vie. Merde. Ah merde, j'ai plus de cœur. Allez, c'est parti, mon pote. On va tout niquer. Oh yeah! Attends, on nique tout avec ce laser. Il est exagéré, sérieux. Comme ça. Oh merde, je vais mourir. Ah putain. Ah ça t'a fait mal, sérieux ça t'a fait mal. T'imagines, tu m'as un doigt, t'as fait ton bras. Putain, ça t'a fait mal. Oh j'ai faim après. Oh y'a...
Alors fonce. Ne fais pas chier. Ma terreur n'est rien quand un monstre que je vais dévaster. Il y a plus de moi en toi qu'une simple programmation. Et nous partageons le même sang bleu, fiston. Faux, Sloan. Mon sang est rouge, blanc et bleu. Je détruis tout ce que je vois. Telle est ma destinée. Personne ne pourra m'en empêcher. Je sauverai Elisabeth. Yota. Sérieux, ce laser est cheaté, mais il est marrant. Yaha! Votre fureur n'est rien! Je suis bien plus puissant que vous! Putain, je l'ai fait exploser quand même. Remettons-nous de la vie parce que là, c'est pas trop ça. Yaha! Yaha! Quoi, on va couper la langue. Remettons-nous encore un peu vite. Nous allons souder un petit peu. En France. Ah merde, c'était bien par là, fais chier. Je suis chaud. J'arrive, Sloan. Ouais, alors. Ah, ok. Yeah. Oh merde. Oh merde, sérieux, j'ai fait une connerie. Ah non, ça. Merde, putain. J'ai été trop vite. Allez. Vous ne m'aurez jamais. Oh putain! Oh là là, il m'a tué! Oh là là, ah ouais, là ils ont été violents, là j'avoue. Ah ouais, là j'ai rien pu faire. Ok! Faut dire, il y avait des hélicos, hein. Et je vois! Et je vois comment ça se passe! Je vois que les gens sont très sympathiques. Ouais, il y a tant! Ce que j'appelle un beau boom. Y'a pas moyen d'aller en haut, sérieux. Sûrement moyen de monter, non? Oh, tu fais chier. C'est toi qui me tire comme ça, sérieux. Ah, ok. Ah ouais. Ça fait deux fois, ça me saoule. Ok, il faut que je trouve un autre moyen de passer parce que sinon ils vont me tuer comme ça tout le temps. Il faut vraiment que je trouve un moyen de monter. En plus, sérieux, c'est un tyrannien, c'est qu'on peut y aller. Hein. Ça me semble un peu illogique. Ah, attends un coup. Oh, mais quel con. On peut passer par là. Ta gueule! Oh putain! Ok, c'est pas violent, sérieux. Oh putain, sérieux là. Oh putain, c'est dégueu. On va faire parler la poudre! Je n'ai pas peur de ton laser, j'en ai un aussi. Je suis chaud. Ah, il faut se remettre de la vie comme ça on fonce.
Allez. Allez, on y va! Lumière. Oui, yata! Vous allez tous morfler, bande de petites putes! Au revoir, mon pote! Je suis chaud! Moi aussi! Oh putain! Oh putain! Ah ah! Sérieux, il me nique toute ma vie là! Putain, non, 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 non! Je vais mourir, non! Non! Arrête! Allez! Putain! Ah ah! Ouah! Oh, j'ai réussi! Oh. Violent, hein! C'est vrai que toi, c'est pas facile. Hein. Ok. On achève tout le monde maintenant! Voilà, c'est parti. Enfonce. Ah, il est violent, n'empêche ce laser. Ah, il est fortement violent. Ta gueule. Allez, ramenez-vous. Moi, je vous attends, t'inquiète, j'ai pas peur, moi. Ah, putain. De la main gauche en plus. C'est de la main gauche. Parce qu'en réalité, forcément, comme il dit ça, c'est parce qu'il est sûrement droitier. Alors il dit c'est de la main gauche en plus. En clair, c'est pour faire comprendre que de la main droite il est plus fort quoi. Tiens! Je sais. On fonce. Yo! Attends. Putain, eh sérieux, ils font mal. Ils hésitent pas, hein. Oh, oh putain. Ah. On va y arriver, je vous en fais ma promesse. Quoi, la la. Niveau élevé de radiation biologique détecté. Ta-ta. Non. Ah putain, arrête. Putain. Je lui ai donné du souffle. Ah, c'est clair, tu lui as donné du souffle, ouais, je confirme. On est où là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avoue, c'est quoi? Je suis le dragon d'assaut blindé de combat. Votre étoile tueuse contrôle ma cage cérébrale et me donne l'instruction de n'obéir qu'à vous. Sérieux? Je suis équipé d'un canon terreur 4000 à alimentation hydraulique et de plaques de blindage en titane. Je crois que je vais aller faire un petit tour avec toi. On monte comment? Ah non! T'es sérieux? Je vais pouvoir le contrôler? Oh putain, ça c'est chiant ça. C'est pour toi, Spider. Putain, j'ai mon propre T-Rex en robot. Magnifique. Je dois vous détruire.
Tiens! Je vous ai tiré dessus. Elle est violente. Dans ta gueule! Et je suis capable de tirer des lasers avec mes putains de yeux. Écoutez-moi cette jolie musique. On défonce tout ce qu'on voit. Je suis heureuse. Ah bah tu m'étonnes, moi aussi. Je suis heureux de tout défoncer. Robo s'occupe même pas de tout détruire, c'est carrément c'est très joli. Il a abusé ce robot. Que va-t-il se passer? C'est quoi ça? Non, mort pas. Bienvenue, monsieur le tueur. Sloan, la seule personne que j'ai envie de tuer, c'est vous. Et puis après, la retraite en banlieue, la pelouse à tondre le samedi et les matchs de foot le dimanche? Ça te ressemble pas, Rex. La pelouse, c'est pas pour toi. Ton truc, c'est le sang. Vous êtes dingue! Je suis un dieu, désormais. Pas juste un homme, pas juste une machine, une combinaison parfaite des deux. Un nouveau Zeus dominant une nouvelle espèce d'homme. Tu aurais pu devenir un de mes cyberprêtres, totalement dévoué à mon service. Mais je crois que l'heure de la retraite a sonné pour vous, les types 4. Vous vous trompez, Sloan. Terriblement. Alerte, système compromis. Impossible de tuer Sloan. Je suis désolé, Rex. Quel gâchis! T'es devenu beaucoup trop tendre. Comme tous ces politiciens de Washington. Tu sais qu'ils négocient la paix avec les communistes? La paix, Rex. La paix. Pourquoi je ne peux pas vous tuer? Sale raclure pathétique. Tu n'es rien d'autre qu'un tas de fils et de programmes. Il ne restait rien de Rex Power Cult quand on t'a trouvé. Juste de l'ADN, sans âme. Non. Je t'ai donné mes souvenirs, mes expériences, mon enfance. Non. Je t'ai programmé. Je t'ai fait. Je suis ton père. Non. Rex, peut-être que vous transformez en machine vous a sauvé la vie, mais ça n'a jamais changé ce qui compte le plus. Le mec, ça imite Dark Vador. Plus qu'un simple amas de fil et de lignes de code. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Extinction des feux, Rex. Non. Allumage des feux.
Elisabeth! Rex! Vous avez tué le colonel Sloane. J'ai l'impression que tout ce pouvoir lui est monté à la tête. Et maintenant, Rex? Ils vont venir ici et tout prendre. Vos recherches, les armes, le sang de dragon. C'est ce que vous voulez? Une armée de monstres? C'est ce que Sloane voulait, mais je suis pas lui. J'ai réactivé tous les pièges à sûreté intégrée des bunkers. Une seule pression, et tout disparaîtra dans les flammes. Vous nous avez sauvés, Rex. Cette fois, Doc, c'est plutôt vous qui m'avez sauvé. Non, Rex. On s'est sauvés mutuellement. Non, tout a explosé. Non, mon dragon. Putain, c'est chaud, c'est quoi ses yeux? Oh là là, ses yeux. Putain. C'est quoi, c'est un robot, c'est quoi? Oh là là, c'est sûrement un robot, ici c'est pas un robot, c'est une méchante. Ça se voit trop avec ses yeux. Putain. Bon ben voilà, ben c'est la fin de Far Cry 3 Blood Dragon. Alors je pensais qu'il allait quand même durer plus longtemps que ça. Je pensais que ça allait être un let's play qui allait durer pas mal de temps quand même avant que ça se termine. Mais au final, il est fini. Alors voilà, c'est la fin. On conclut un peu la fin de Far Cry 3 Blood Dragon, hein, qui n'a complètement rien à voir avec Far Cry 3 l'original. Je tiens à le dire pour ceux qui croiraient que Far Cry 3 Blood Dragon c'est le Far Cry 3 normal. C'est deux versions différentes des jeux, ça n'a rien à voir. Far Cry 3 qui est beaucoup plus long et qui est aussi pas mal, un super scénario dans le Far Cry 3 normal. Mais bon voilà, c'est pour conclure la fin. Alors malheureusement il y aura plus de épisodes et plus de vidéos je pense sur Far Cry 3 Blood Dragon, Dead Island aussi parce qu'on a terminé. Alors on va se lancer maintenant dans de nouveaux let's play qui vont arriver dans pas très longtemps. Et j'espère en tout cas que tout simplement les let's play que j'ai fait sur ma chaîne vous aura plu, que ce soit Far Cry 3, Dead Island et ainsi de suite. On a tout terminé aujourd'hui. Je suis assez content d'ailleurs. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos, découvertes, tests ou let's play. N'hésitez pas à commenter, mettre un like, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis monté à 3042 abonnés et je tiens vraiment à remercier tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point je gagne des abonnés d'une vitesse absolue. C'est fou. C'est fou tout simplement. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. Et n'hésitez pas aussi de partager toutes les vidéos qui vous aura plu. Voilà, bon, on se retrouve à la prochaine. Je vous souhaite bonne nuit, bonne journée, bon après-midi. On sait pas, bon matin, qui sait. Je sais pas, il est quelle heure chez vous. Alors que je vous parle, il est 3h30 du matin. Alors, c'est plutôt... voilà, c'est plutôt tard. Mais bon, on se retrouve à la prochaine, les amis. Salut tout le monde. Janitors. Those are the real heroes. He is Sergeant Rex. Power Colt. And he's here to save the world. Far Cry 3. Holy shit. Blood Dragon.